Et bien entendu, cette crise, elle fragilise l'Algérie et l'Égypte. Et donc, il est de l'intérêt de l'Union européenne et de la France de réfléchir à, même si évidemment on ne peut pas souhaiter ce scénario, mais à que se passerait-il si à la suite de la crise sanitaire qui promet d'être violente et en Algérie et en Égypte, eh bien on assistait à des troubles très élevés, voire même à une remise en question des pouvoirs en place. Donc en fait, non pas au final, mais pour terminer cette vision un petit peu sur, disons, inquiétante sur l'avenir du bassin méditerranéen et du Levant, je dirais que le risque majeur, c'est celui d'assister à une fragmentation plus importante des différents États et donc un petit peu de la Méditerranée centrale, de la Méditerranée orientale et de la Méditerranée occidentale.